Patricia? Vous rentrez chez vous à pied? Montez, je vous dépose. Ça ne va pas, Patricia? Vous voulez bien me laisser tranquille? Juste vous raccompagner. J'ai toujours voulu vous prendre dans mes bras, Patricia. J'en avais envie. Ça fait si longtemps que j'attendais cet instant. Surtout, ne me repoussez pas. Patricia, ne me repoussez pas. Entre nous, je suis vraiment le mari qu'il vous faut, Patricia. L'homme dont vous serez folle. Je ne suis pas Patricia. Ne mentez pas. Je déteste les mensonges. Pitié, ne me faites pas de mal. Je vous aime, Patricia. Pourquoi vous ferais-je du mal? Ah ah, au secours! Allez, aidez-moi, au secours! C'est pas la peine de hurler comme ça, Patricia! Ici, personne ne vous entendra! Non, je ne suis pas Patricia, je suis Annie! C'est bon, maman, je vais répondre. Ranch de Drumdo. J'aimerais parler à Patricia Collins. C'est moi? Je suis le lieutenant Story, excusez-moi d'appeler aussi tard, mais est-ce que vous attendez une personne qui a réservé? Non, nous n'ouvrons qu'en avril. Je vois. Pourriez-vous passer à la morgue municipale demain? À la morgue? Mon Dieu, mais pourquoi? Pour identifier le corps d'une jeune femme. On l'a retrouvée à 1,5 km de votre ranch. Aucun objet personnel sur elle, juste une feuille de papier avec votre nom et votre adresse. Je suis désolée, mais j'ignore qui ça peut être. Allez-y. Vous n'avez ni sœur jumelle, ni cousine? Non, je n'ai pas de sœur, je suis fille unique et mes parents n'ont pas de famille. Que la plupart des gens ont un sosie, mais là, c'est étonnant. Elle me ressemble trait pour trait. Et si nous allions à mon bureau? D'accord. Tenez. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions concernant votre famille, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que vos parents sont divorcés? Non, ma mère et moi vivons au ranch. Quant à mon père, il est décédé dans l'accident du pont de Dawes en avril dernier. Je suis désolé. Voici le papier qu'on a retrouvé sur elle. Vous connaissez cette écriture? Oui. Oui, c'est l'écriture de mon père. Vous savez pourquoi elle avait ce papier écrit de la main de votre père sur elle? Non. Mon père l'a peut-être rencontré lors d'un de ses nombreux voyages et il lui a parlé de notre ressemblance. Et il lui a donné mon adresse. Elle aura voulu s'en assurer lors d'un passage dans la région. Il y a 9 mois de ça? Désolée, lieutenant Story, je n'ai pas d'autre explication que celle-ci. C'est bien, oui. C'est bien. Vous êtes une déesse, Patricia. Non, ne partez pas. Oh, j'aime la façon dont vous montez à cheval. Je suis content que vous soyez en vie, Patricia. Annie, elle n'aurait jamais dû me parler comme ça. Vous ne m'auriez pas fait ça. M'apprendrez-vous à monter à cheval avant notre mariage? Je n'hésiterai pas à réclamer le double si vous persistez encore à bloquer le paiement.
Madame Collins, essayez de comprendre notre point de vue. La compagnie d'assurance ne versera aucune indemnité sans l'obtention d'un certificat de décès. Et j'ai peur que vous ayez du mal à en avoir un. Il est mort il y a 9 mois de ça. Je comprends votre désarroi, Madame Collins. Mais les autorités ont fouillé le lit de cette rivière. Ils ont retrouvé les corps et les véhicules de tous les disparus. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé la moindre trace prouvant que votre mari a été lui aussi victime de cet accident. Ça ne signifie pas pour autant qu'il n'était pas sur les lieux. Il nous faut ce certificat de décès et sans lui, pas d'argent. C'est toujours la même chanson. Si on ne retrouve pas son corps, vous n'aurez rien à payer. Votre père a retiré 3 jours avant de disparaître une grosse somme de l'une de ses polices d'assurance. Il y en avait pour 200 000 $. Où est cet argent? Nous l'ignorons. L'enquête est terminée et la société d'autoroute qui exploitait le pont de Dawes va mentionner dans son rapport que cela ne fait aucun doute que Burton Collins ne se trouvait pas parmi les victimes de cet accident. Où est-il dans ce cas? À mon avis, avec les 200 000 $. Inutile de me raccompagner. Tu sais bien que jamais il n'aurait fait une chose pareille, voyons. Mais peut-être qu'on fait fausse route. Et que ton père a profité de cet accident tragique pour se séparer de moi. Tu sais que c'est faux. Je ne veux pas y croire, mais... Nous nous en sortirons, maman. Je ne vois pas de quelle façon. Nous n'avons plus un sou. Avec quoi vais-je régler les taxes foncières? Je n'aurais jamais dû hypothéquer le ranch pour entreprendre cette rénovation. Nous n'avions pas le choix. En transformant ce ranch en centre équestre, nous avions une chance de le conserver et de le rentabiliser. Mais pourquoi est-ce que Burton a demandé une somme si importante à son assureur? Je n'en sais rien. Il a probablement investi cet argent, ou possible qu'il l'ait perdu au casino. Mais je suis sûre qu'il ne nous aurait jamais abandonnés. Et nous le prouverons. Vous étiez l'associé de mon père et vous le connaissiez mieux que quiconque. Sans votre père, je n'occuperais pas ce fauteuil aujourd'hui. Je l'appréciais beaucoup. Il était comme un frère. Je le sais, Philippe. Et je sais aussi que vous ne me mentirez pas. Vous pouvez compter sur moi. Vous croyez qu'il est possible que mon père soit toujours en vie? Qu'il ait profité de cet accident pour ensuite disparaître? Je n'arrive pas à croire que votre père ait pu monter une histoire pareille, Patricia. Cela signifierait qu'il avait l'intention délibérée de quitter votre mère. Je sais qu'il vous aimait beaucoup, toutes les deux. Vous avez raison, c'est logique. Je suis également convaincue qu'il est mort ce soir-là. Oui. J'espère qu'on retrouvera son corps pour que maman et moi nous puissions faire notre deuil. Et comment va votre mère? Pas très bien. Nous allons perdre notre ranch. L'assureur ne veut pas nous indemniser si on ne peut lui fournir un certificat de décès. Est-ce que je peux vous aider? Non, c'est gentil, merci. Vous avez été plus que généreux en nous reversant sa commission. Bien. J'aurais aimé vous aider plus que ça. Votre mère m'a souvent répété que pour elle, je faisais partie de la famille. Tout à fait. On sent sa présence dans ces lieux. Oui. Il va falloir tirer un trait sur le passé. Et en fin de semaine, je viendrai récupérer les affaires de mon père. Oh, inutile de vous en faire pour ça. Je vais m'en occuper. Non, je veux le faire. Je demanderai à maman de venir avec moi, ça nous fera du bien. Si vous voulez, vous pourriez m'accompagner à la clinique du docteur Manning vendredi. Je vous ferai découvrir les travaux de votre père. Oui, j'en serai ravie. Merci, Bernie. Je n'accepte pas votre argent, mademoiselle Collins. Vous devriez le savoir. Entendu. Mais à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Patricia. Marché conclu. Merci. Patricia. Patricia.
Ce soir est un nouveau départ. On va oublier Annie maintenant. Patricia. Qui peut envoyer un fax en pleine nuit ? C'était une erreur. Oh mon Dieu. Nous savons d'où ce fax a été envoyé. C'est d'un cybercafé. Ils mettent des fax à disposition de leur clientèle, mais ils ignorent qui vous a envoyé celui-ci. Vous croyez qu'il s'agit du meurtrier de cette jeune fille ? Oui, et c'est pire que ça. Je suis persuadé que c'est vous que l'assassin visait. Mademoiselle Collins, je ne crois pas que votre père ait donné votre adresse à cette jeune fille pour qu'elle passe vous voir, après si longtemps. Est-ce que vous insinuez que mon père est vivant, lieutenant ? Je ne m'occupe pas de l'enquête concernant le décès de votre père. Je mène celle recherchant le meurtrier d'Annie. Et il va vous falloir admettre la gravité de la situation. Si Annie est morte par erreur, votre vie est en danger. Il a l'air d'avoir récupéré de sa blessure, mais je ne peux pas lui faire courir de risque. Il n'y a plus de traces d'infection. Ça a l'air d'aller. Old Temper sera sûrement en pleine forme dès le mois de mai. Merci, Mac. Mais vu l'évolution des choses, je ne serai peut-être plus là en mai. De quoi parles-tu ? Il vaut mieux que maman ne sache rien pour Annie. J'ai peur qu'elle panique. Si quelqu'un s'est trompé et a tué Annie en croyant que c'était toi, elle a le droit de le savoir. Qu'est-ce que la police compte faire ? Rien. Ils n'ont aucune preuve. Ce n'est qu'une hypothèse du lieutenant Story. Je devrais peut-être rester ici jusqu'à ce que cette histoire soit réglée. Non, c'est inutile, Mac. Allons, Patricia, je m'inquiète pour toi. Je ne suis pas venu te faire des avances. Tu dis ça comme si c'était ce que j'espérais. Je t'en prie, crois-moi. Je sais que j'ai fait une bêtise il y a 2 ans. Une bêtise ? Tu m'as quitté pour partir te marier avec une femme que tu connaissais à peine. Non, Patricia, ça ne s'est pas passé de cette façon. Bon, d'accord, j'admets avoir commis la plus grande erreur de ma vie. Ça, je ne te le fais pas dire. Des nouvelles de ton ex-épouse ? Je sais qu'elle est partie à Los Angeles et qu'elle s'est mariée avec un acteur. Chacun ses problèmes maintenant. Je sais que je t'ai fait souffrir. Et je sais aussi que ça a été difficile pour toi, mais si tu veux bien que... Oh. Rien n'a changé, Mac. Allô ? Oui, c'est le docteur McIntyre. D'accord. Dites à Madame Burke que je passerai d'ici 15 minutes. Il faut que j'y aille. Il y a une jument qui va mettre bas et il y a des complications. Perds pas de temps. Ouais. Nous avons ouvert cette clinique il y a 15 ans déjà. Et quand je regarde autour de moi, je vois en chaque visage un membre de notre grande famille. Je sais aussi que grâce à vous tous, nos efforts ont été récompensés à leur juste valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu de céder la place et de vous quitter. Je pars en sachant que vous allez continuer à travailler pour venir en aide aux couples sans enfants et pour qu'ils puissent avoir la joie de devenir parents. Merci, merci à vous pour votre courage, votre abnégation et votre confiance. Merci pour tout, Dr. Manning. Et bonne retraite. Cette clinique est l'une de nos premières acquisitions. Et le docteur Manning nous en a toujours été reconnaissant. Merci à vous. Est-ce que tous ces enfants ont pu voir le jour grâce à la fécondation in vitro ? Oui, et grâce au docteur Manning. Ici, on le surnomme le parrain du gang de la fertilité. Oh, je vois que les gens l'aiment beaucoup. C'est vrai. Il a changé la vie de la plupart des parents que vous voyez ici. Oh, Philippe, ravi que vous ayez pu venir. Je suis heureux de vous voir. Voici Patricia Collins. Bonjour. La fille de Burton. Oui, bien sûr. Votre père a financé ici la plus belle réussite scientifique de ces 15 dernières années. Il nous manque beaucoup. Merci. J'ai demandé à Patricia de venir ici pour voir
le fruit du travail encouragé par son père. Collins et Carter nous ont fourni les moyens de pouvoir recruter les chercheurs de notre laboratoire. Et comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas affaire à des ingrats. C'est ce que je vois. C'est la première fois que je visite la clinique du docteur Manning. Et je ne vois que des gens extrêmement heureux. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça va faire 7 ans en juin. Vous êtes médecin? Oui, je suis spécialiste en embryologie. Oh, je suppose que vous devez éprouver pas mal de fierté en voyant tous ces gamins. À chaque fois qu'un enfant naît, c'est un miracle pour moi. Pour quelle raison êtes-vous là? Oh, je suis Patricia Collins, la fille de Burton Collins. Vous le connaissiez? Non. Si vous voulez bien m'excuser. Elle est formidable, n'est-ce pas? Elle adore ses enfants comme s'ils étaient les siens. Oui, elle va bien mieux aujourd'hui. La nôtre est toujours en avance à l'école. Docteur Manning, je suis très heureuse d'avoir pu vous rencontrer. Quel dommage que votre mère n'ait pas pu venir. Elle s'intéressait tellement à nos travaux, Patricia. Je le regrette aussi. Maman attend impatiemment que je lui résume ma visite. Elle aurait aimé venir. J'en suis persuadée. Transmettez-lui mes amitiés. Je le ferai, c'est entendu. Excusez-moi. Bonjour, Paul. Bonjour, docteur. Je refuse de continuer à m'occuper de ça. Au revoir. Je vais être vraiment honnête avec vous. Cette démission est inacceptable, Hélène. Nous étions d'accord et c'était vous qui deviez prendre la relève dès que moi, je quitterai la clinique. Je suis désolée, Léonard. S'il ne s'agit que d'une question d'argent, je suis convaincue que nous pourrons trouver un accord. Oh non, ce n'est pas ça. Vous vous êtes toujours montré généreux avec moi. Mais, alors, vous n'êtes plus heureuse ici? J'ai adoré travailler ici. Vous le savez. Et l'opportunité que vous m'avez offerte m'a vraiment permis de donner un sens à ma vie. Je vous jure que si c'était à refaire, je n'hésiterais pas un instant. Dans ce cas, je crains de ne rien y comprendre. Il n'y a rien à comprendre, Léonard. Je suis sûre qu'il vaut mieux pour tout le monde que je démissionne. D'après mes informations, vous êtes le dernier à avoir parlé à Burton Collins avant qu'il ne disparaisse. Est-ce exact? Oui, en effet, c'est tout à fait exact. Il m'a appelé un peu avant d'emprunter le pont. Vous êtes sûr qu'il allait l'emprunter? Absolument sûr. Je lui ai demandé où il se trouvait. Il m'a dit, j'arrive sur le pont. Pourquoi vous a-t-il téléphoné? Pour que l'on prenne rendez-vous le lendemain. Et pourquoi toutes ces questions? J'ai répondu à celles de vos collègues il y a 9 mois de cela. La société d'autoroute ne croit pas que Burton Collins se soit trouvé sur le pont ce soir-là. Mais c'est absurde. J'ai lu leur rapport d'enquête. J'ai aussi vu le corps d'une jeune fille ressemblant à sa fille Patricia, ce qui me fait penser que Burton Collins avait des raisons de partir souvent en voyage. Vos insinuations sont une véritable offense à son intégrité, lieutenant. Je connaissais Burton Collins depuis 12 ans, et il était un mari fidèle et un excellent père. Je n'admettrai pas que l'on salisse son nom. Seule la vérité m'intéresse. Prévenez-moi si jamais il vous appelait. J'aurais remarqué un retrait aussi important. Il l'a sûrement noté. Papa était très méticuleux et il doit certainement y avoir une trace de cet argent dans l'un de ses dossiers personnels. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai trouvé. C'est quoi ce cahier? Ça ressemble à un carnet de dépenses et de recettes. Regarde la dernière ligne. Qu'est-ce que ça signifie? Que papa a dépensé cette somme, 3 jours après l'avoir reçue.
Mais où es-tu, papa? Oui. Je croyais que tu dormais. C'est pas très facile, je m'inquiète. Je vais refaire un peu de thé, tu en veux une tasse? Oui, je veux bien. Il y a quelqu'un ici? Je vais appeler la police. Je vous jure, je ne dirai rien à personne. J'arrête. Je ne veux plus continuer. Elles sont bonnes, les nouvelles? Pas pour tout le monde. Tiens, lis ça. Vraiment horreur de lire les mauvaises nouvelles dès le matin. Le docteur Hélène Petrovic a été retrouvée morte dans son appartement la nuit dernière. Elle était le chef embryologiste de la célèbre clinique du docteur Manning depuis 7 ans et auparavant elle avait travaillé 3 ans à l'hôpital Capitol View de Seattle. Fais voir. Je la connais, maman. Je me souviens l'avoir vue à la réception où j'étais avec Philippe. C'est très étrange. Elle était charmante jusqu'à ce que je mentionne le nom de papa. Et là, elle s'est soudain éclipsée. On aurait dit qu'elle avait peur. Tu es sûre qu'elle a eu peur simplement en entendant le nom de Burton? Mm-mm. Mais en quoi le nom de Burton a-t-il pu l'effrayer? Je l'ignore. Ton père devait la connaître. Elle était belle. Maman, arrête de te faire des idées. Nous ne savons absolument rien sur elle. Oui, et apparemment, je ne connaissais vraiment rien de la vie de ton père. Écoute-moi. Je découvrirai la vérité. Je te le promets. Oh, bonjour, Patricia. Salut, Bernie. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps de discuter. Merci. Ça ne fait rien. On se reverra tout à l'heure. Retrouvée morte. C'est une tragédie. Hélène Petrovic était certainement la meilleure spécialiste en embryologie que Manning ait jamais eue. Mais c'est vous qui l'avez embauchée. En fait, c'est grâce à votre père. Il a écrit cette lettre de recommandation vantant les qualités professionnelles d'Hélène Petrovic comme embryologiste. Et il a insisté pour que Manning la recrute en tant que chef du service au sein de la clinique. Philippe, y aurait-il une raison qui fasse qu'elle ait eu peur de mon père? Non, d'ailleurs, je ne vois aucune raison pour que quelqu'un ait eu peur de votre père.
Pourquoi cette question? Parce qu'hier, à la clinique du docteur Manning, je lui ai demandé si elle connaissait... Collins et Carter, Philip Carter, l'appareil. Non. Mais c'est absurde. Je ne ferai aucune déclaration tant que je ne me serai pas entretenu avec le docteur Curtis. Au revoir. Ça, c'était un journaliste qui affirmait que l'hôpital Capitol View de Seattle dément avoir travaillé avec un certain docteur, se nommant Hélène Petrovic. Qu'est-ce que ça signifie? Si c'était vrai, j'ai peur qu'elle ait obtenu son poste en présentant de faux certificats. Et nous sommes responsables de l'avoir fait embaucher chez Manning. Mais vous n'avez pas vérifié l'authenticité de ses diplômes avant de l'embaucher? Oh. C'était de la responsabilité de mon père. Je le croirais plus volontiers capable de faire croire à sa mort plutôt que de placer une personne n'ayant pas les qualifications nécessaires. Oui, et c'est ce qui me fait vraiment peur. Oui. Quand avez-vous parlé à votre tante pour la dernière fois? Hier, lieutenant. Au téléphone pour me dire sa démission. Elle vous a dit pourquoi? Non. Elle s'inquiétait de me voir passer toutes mes journées seule à la maison. Je suis étrangère et je ne connais personne ici. Elle était la seule famille pour moi. Elle me considérait comme sa fille. Vous a-t-elle parlé d'un petit ami? Non, jamais. Elle travaillait presque tout le temps. Elle voyait bien un homme, mais c'était pas vraiment un petit ami. Que savez-vous à propos de cet homme? Rien. Je ne lui ai jamais parlé. Il venait tard le soir et partait le matin. Oh! Le bébé. Je vous en prie, asseyez-vous. Stéphanie, est-ce que vous savez qui aurait pu en vouloir à votre tante? Non. Mais... Ce n'est rien. Ce que vous savez nous aidera sûrement. Ma tante Hélène a un gros compte en banque. Elle m'a dit vouloir faire de moi son héritière pour qu'à l'avenir on ne manque de rien, moi et mon bébé. Quelqu'un a eu peur en la voyant quitter aussi vite son poste, qu'elle modifie son testament à mon avantage. Qui devait hériter avant vous? Elle a parlé de la clinique. On a peut-être empêché de faire de moi son héritière et on l'a tuée. Ça ressemble à un mobile. Vous avez interrogé les facultés de médecine en Roumanie? Oh, mais je suppose qu'elle a dû apprendre la médecine quelque part. C'est entendu, alors rappelez-moi si vous avez d'autres informations. Excusez-moi de vous importuner de cette façon, docteur Manning. La journée commence mal. Ça, je m'en doute. Philip Carter m'a parlé des faux certificats. Oui, apparemment, elle était diplômée en cosmétologie. C'est pour ça que je suis ici, docteur. Vous connaissiez mon père. Vous croyez qu'il aurait recommandé une personne sans qualification pour ce poste? Pas le Burton Collins que je connaissais. Pourtant, la police insinue qu'il l'aurait fait. Je veux le disculper, et Hélène Petrovic est la clé du mystère. Alors dites-moi ce que vous savez sur elle. Elle était travailleuse, efficace, intelligente et courageuse. Elle dirigeait le service de conservation des embryons. Elle avait la responsabilité de milliers d'éprouvettes, ce qui, pour certains couples, était leur dernière chance d'avoir des enfants. Il suffit d'une petite erreur... Et vous avez l'embryon d'une femme implantée dans l'utérus d'une autre. Comment les parents sauraient-ils qu'une erreur a été commise? Ils n'en sauraient rien. À moins de faire un test ADN après la naissance de l'enfant. Est-ce que mon père est venu rendre visite à Hélène ici? Ça, c'est une drôle de question, Patricia. Parce que lorsque j'ai mentionné le nom de mon père à cette réception, elle avait l'air terrifiée. Et je me suis dit que mon père avait peut-être une relation avec elle. Non, je n'ai pas vu Burton ici depuis des années. Est-ce qu'elle avait un amant? Pas que je sache, non. Au début, quand elle est arrivée ici, j'ai cru qu'elle était amoureuse du docteur Williams. Est-ce que je peux voir cet homme? Désolé, il ne travaille plus ici. Aujourd'hui, il dirige la clinique Good Hope Fertility à Bismarck. Il est parti il y a presque 7 ans. Oh, j'aime la façon dont vous montez à cheval. Oh oui, je vous vois. Et vous vous doutez de rien. Vous êtes si belle, Patricia. Vous en faites pas, Patricia.
Désormais, je vais prendre soin de vous. C'est promis. Bientôt, vous serez à moi. Je commence à croire que moi non plus, je ne connaissais pas papa. Et même mes souvenirs semblent faux. J'ai l'impression d'avoir rêvé que je sautais dans ses bras avant qu'il parte en voyage, ou bien quand il rentrait après une absence très longue. Il allait là où le travail l'appelait, chérie. Je sais. Mais ça ne t'embêtait pas de le voir quitter le foyer toutes les semaines à cause du travail et de te laisser seule à la maison? Je n'étais pas seule ici, ma chérie. Entre nous, je crois que ces nombreuses absences faisaient partie de notre vie, un peu comme le ranch. Tu sais, il faut toujours vivre à fond l'instant présent pour sauver l'amour. Nous avons été très heureux tous les deux. Maman, il y a une petite chose qu'il faut que tu saches. Oh, oh. Entendu. Je suis prête. Si je suis allée en ville lundi matin, c'était pas pour acheter du foin. En fait, je suis allée à la morgue pour tenter d'identifier la jeune femme que l'on a retrouvée près d'ici. Qui t'a demandé de faire ça? Le lieutenant Story pense qu'elle était probablement en route vers notre ranch parce qu'elle avait un papier avec mon adresse et mon nom retrouvé dans sa poche. Et tu l'as reconnue? Non. Mais sur le papier, j'ai reconnu l'écriture de papa. Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est très étrange, c'est qu'elle me ressemblait, elle aurait pu être ma sœur. Oh, je n'y crois pas. Écoute, Patricia, ça doit être ton imagination. Tu n'as aucune sœur. C'est pour ça que le lieutenant Story m'a demandé de venir l'identifier. La nuit suivante, j'ai reçu un fax alors que je venais de me coucher, qui disait que Annie était morte par erreur. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te rappelles comment ton père t'appelait quand tu étais enfant? Patricia Anne. Sa mère se prénommait Anne. J'y vais. Madame Collins? Bonsoir. Oui, c'est ici, je suis sa fille, je vais signer à sa place. Si vous voulez. Merci, au revoir. Elles sont pour toi. Ma chérie, aie confiance en moi, je te promets de tout expliquer, signer ton cher et tendre époux. Oh, maman! Maman, réponds-moi! Maman! Vous avez le droit d'être au courant des faits, mademoiselle Collins. Merci, lieutenant. Nous savons que votre père a fait embaucher Hélène Petrovic avec des diplômes falsifiés. Nous savons aussi qu'il a retiré une importante somme d'argent un peu avant de disparaître. Sa voiture n'a jamais été retrouvée et il n'y a aucune preuve qu'il soit mort dans cet accident. Et maintenant, il envoie un bouquet de fleurs qu'il a payé avec sa carte de crédit. C'est impossible! Il ne s'en est pas servi depuis le mois d'avril. Je suis sûre que ma mère ne savait pas que cette carte de crédit existait, sinon elle l'aurait fait annuler. Écoutez, mademoiselle Collins, la seule preuve que votre père se trouvait sur ce pont est un coup de fil passé à Phil Carter. Est-ce que vous prétendez que Philippe a menti? Non. S'il mentait, il serait complice. Et je suis persuadée que depuis qu'a éclaté le scandale Petrovic, Carter aimerait voir son associé en vie. Et si j'en crois la nièce d'Hélène, un homme grand, conduisant une berline sombre, rendait visite à sa tante. Quel rapport avec la disparition de mon père? Votre père ressemble beaucoup à cet homme, et la voiture ressemble également à la sienne. Mais mon père est décédé, lieutenant Story. Burton Collins n'est plus considéré comme ayant disparu au mois d'avril. Aujourd'hui, il est recherché pour le meurtre d'Hélène Petrovic. Vous n'avez aucune preuve pour l'accuser d'avoir commis ce meurtre? Je reprends l'enquête. Et si vous entendez parler de lui, n'hésitez pas à nous le faire savoir. C'est déjà difficile d'admettre qu'ils essaient de nous prouver qu'il est encore vivant, et voilà qu'ils veulent l'arrêter pour avoir abattu Hélène Petrovic. C'est ridicule. Le lieutenant Story est vraiment sûr de lui. Il est convaincu qu'il avait une liaison avec elle. Mais qu'est-ce qui lui permet de penser ça? Je crois que c'est tout simplement ma ressemblance avec Annie. Et ça, je peux le comprendre. Si tu l'avais vue, Mac, tu aurais juré qu'elle était ma sœur. Tu veux dire que le lieutenant Story croit qu'Annie est la fille d'Hélène Petrovic et de ton père? Il ne l'a pas dit franchement, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il croit. La nièce d'Hélène affirme qu'un homme ressemblant très étrangement à mon père avait une liaison avec sa tante. Mais ça n'est pas une preuve. Elle pouvait très bien voir plusieurs personnes. Tu as raison.
Et je me souviens que le docteur Manning m'a parlé d'un médecin dont Hélène était amoureuse à son arrivée à la clinique. Story est allée voir ce monsieur? Je n'en sais rien. Mais moi, j'aimerais le rencontrer. J'espère que vous avez apprécié, Mac. Votre rôti de bœuf était délicieux. Laisse, j'y vais. Je me suis dit que je devrais aller voir la nièce d'Hélène Petrovic. Allô? Et lui montrer un portrait de papa. C'est moi. Elle va peut-être confirmer que c'est lui qu'elle voyait. D'accord. Au revoir. Je sais. Vous ne devinerez jamais qui vient d'appeler. Fiona White. Qui est Fiona White? Un médium qui aide souvent la police dans les affaires de disparition. Ça ne te dit rien, Patricia? Il y a peut-être 3 ans de ça, elle a dit à la police où se trouvait le fils Talmitch et elle lui a sauvé la vie. Mais qu'est-ce qu'elle te voulait? Elle est allée voir le lieutenant Story et elle lui a dit ressentir des vibrations à propos de Burton. Elle souhaiterait pas s'émouvoir pour toucher des objets personnels. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit de passer demain. Merci pour cette agréable soirée. J'aime beaucoup venir ici. On adore te recevoir. Laisse-moi compléter ma phrase. Ce que j'aime, c'est venir ici pour te voir, toi. Mac, je ne veux pas être celle que tu dragues par dépit. Je ne viens pas ici par dépit, Patricia. J'ai fait une belle bêtise il y a 2 ans. Et aujourd'hui encore, j'en paye les conséquences. Je viens de prendre une nouvelle décision ce soir. Je commence officiellement à te faire la cour à partir de maintenant. Merci de me recevoir, Stéphanie. Quand devez-vous accoucher? Dans 10 jours. Waouh! Ça approche. Vous avez peur? Non. Je vais en finir. Je vais faire adopter mon bébé. Oh, est-ce que vous vous êtes disputée avec le père? Le père est parti. J'ai fait une bêtise. Je ne veux plus en entendre parler. Je vous comprends. Vous avez déclaré au lieutenant Story que votre tante voyait souvent un homme grand. Est-ce que c'est lui? Oui, peut-être. J'ai jamais vu son visage. Il n'y a rien qui vous revienne en mémoire pouvant nous éclairer. Ma tante m'a promis que je serai son héritière. Elle voulait changer son testament. La clinique Manning va hériter de tout l'argent qu'elle possédait. Si vous acceptez de m'aider, je vous aiderai moi aussi. À vous écouter, on dirait vraiment que vous savez beaucoup de choses. J'ai des renseignements. Je ne suis ici que pour vous aider à retrouver Burton Collins. Vous connaissiez Burton? Non. Mais en apprenant le meurtre d'Hélène Petrovic dans les journaux et en lisant le nom de Burton Collins, tout mon corps a été parcouru par de puissantes vibrations. Écoutez, Madame White, je vais vraiment être honnête. Je ne crois pas à l'existence de ce genre de choses. Personne ne vous le demande. Mon don est difficile... Il est difficile à expliquer, voyez-vous. Il ressemble plus à un fardeau, en fait. Mais quand je ressens ses forces, je dois m'y adonner jusqu'à résolution de l'affaire. Entendu. Que voulez-vous savoir? Vous n'avez qu'à me parler de lui. Eh bien, il était un excellent mari. C'était un bon père de famille qui adorait sa fille. Et je sens au fond de moi que Burton est décédé et qu'il n'aurait jamais fait ce dont la police l'accuse. Bien. Est-ce que vous avez gardé ses vêtements ou des objets lui appartenant? Oui, au premier. Je peux? Bien sûr. Votre mari choisissait seul ses vêtements? Oui, Burton avait un goût très sûr. Thank you.
Je l'ai vu. J'ai vu votre mari. Est-ce que vous pourriez être plus précise? Votre père est mort. Il est mort depuis plusieurs mois. Sa dépouille repose sous l'eau. Je voudrais le lieutenant Story, de la part de Patricia Collins. Vous n'aviez jamais vu ce pick-up auparavant? Non, jamais. Vous n'avez pas noté son numéro d'immatriculation? Je n'en ai pas eu le temps. Il a foncé droit sur moi. Moi, je ne pensais qu'à m'échapper. D'accord. Nous avons un pick-up de couleur marron dont le conducteur portait une cagoule. Écoutez, lieutenant, celui qui était au volant de cet engin en voulait à Patricia. Et je veux savoir quand vous l'arrêterez. Je t'en prie, maman. Vous m'avez envoyé votre médium pour retrouver Burton. Vous devriez lui demander de commencer par trouver ce chauffard. Maman, ça suffit maintenant. Je comprends votre inquiétude, Madame Collins. Je vais faire surveiller les abords du ranch. Et s'il revient par ici, nous l'arrêterons. Mais en attendant, j'aimerais que vous évitiez les promenades à cheval sans être accompagné. Au revoir. Très bien. Je vous raccompagne. Il y a une chose dont je suis certaine. Ce n'est pas papa qui conduisait ce pick-up. Je vais aller rendre une petite visite au docteur Williams. Monsieur Collins, nous sommes le dimanche 23 janvier et il est minuit. Veuillez rappeler Red Sky Laser Goods si vous êtes toujours intéressé par cette mallette. Nous en avons en stock. Laissez un message après le bip. Maman, je suis en route pour Bismarck. Je vais rendre visite au docteur Williams. N'oublie pas qu'on vide le bureau de papa cet après-midi. C'est incroyable le nombre de familles que nous avons aidées ces 7 dernières années. Tous ces enfants sont venus au monde grâce à la fécondation in vitro? Pas tous, non. Nous ne faisons pas que ça. Il y a d'autres méthodes qui existent pour avoir des enfants. Je sais, le docteur Manning me l'a gentiment expliqué hier. C'est aussi lui qui a mis au point notre rendez-vous pour parler d'Hélène Petrovic. Hélène, oui, bien sûr. Ça fait... Oh oui, c'était il y a 7 ans, quand j'étais le bras droit de Manning. J'ignore si vous savez, pour le docteur Petrovic, on l'a retrouvée morte. Elle a été assassinée. Ah non, je... Je n'en savais rien, non. Vous étiez proche d'elle. Le docteur Manning me l'a confirmé. Non, c'est à peine si je la connaissais. Avez-vous été en contact avec elle après avoir quitté la clinique? Non. Non, aucun contact, pourquoi? Mon père a été accusé d'avoir falsifié ses diplômes afin qu'elle soit embauchée chez le docteur Manning. Apparemment, elle n'aurait pas suivi d'études de médecine en Roumanie. Oh, c'est vraiment incroyable. L'Hélène, dont je me souviens, s'occupait du laboratoire de fort belle manière. Pour moi, il n'y avait pas de souci. Elle était très organisée. Elle semblait parfaitement qualifiée. Oui, mais en vérité, elle a trompé son monde. Docteur Williams,
Est-il difficile de faire comme elle, c'est-à-dire d'exercer ce métier sans avoir suivi d'études de médecine, bien sûr? Eh bien, pour pratiquer la fécondation in vitro, c'est très compliqué, mais... La conservation des embryons, quant à elle, est facile et peut s'apprendre en peu de temps. Et qui pourrait l'avoir aidée à apprendre aussi rapidement cette technique de conservation? Je n'en ai aucune idée, mais je peux faire mon enquête et rapidement vous établir une liste, si ça peut vous aider. Oui? Attendez une petite minute. Excusez-moi, docteur, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Laissez votre numéro de téléphone à l'accueil. Je vous rappellerai dès que j'ai du nouveau. Merci. Patricia sort à peine de mon bureau. Qu'est-ce que vous croyez, Hélène Petrovic? Bien. Ça n'a pas été très long. Maman, tu sais qui peut laisser des messages sur le répondeur de papa, toi? J'en sais rien. Monsieur Collins, nous sommes le dimanche 23 janvier et il est minuit. Veuillez rappeler Red Sky Leathergood si vous êtes toujours intéressé par cette mallette. Nous en avons en stock. Il date de cette nuit. Mais qui peut laisser des messages en pleine nuit? Tu savais qu'il envisageait d'acheter une mallette? Non, c'est sûrement une erreur. Quoi que ce soit, je vais le garder. Vous êtes plus rapide que l'éclair. Je croyais qu'il vous faudrait toute la journée pour emballer ses affaires. Oh, laissez-moi la porter. Non, c'est inutile, Philippe. J'aime finir ce que j'ai commencé. Elle est courageuse, mais il le faut. Oui, une brave femme. Est-ce que vous avez du nouveau concernant l'affaire Petrovic? Oui. Et ce n'est pas brillant. Apparemment, elle a fait plusieurs erreurs dans la conservation des embryons et elle a tenté de les dissimuler en falsifiant les registres. Le nombre d'embryons congelés par nos soins ne correspond pas avec le total de nos stocks. Qu'est-ce que ça signifie? Des plaintes et des ennuis avec la justice. C'est étrange. Combien de fois est-ce que papa est allé en Californie? Non, plusieurs fois. Il allait toujours là où le boulot l'appelait. Durant son dernier voyage à Los Angeles, celui après lequel il a disparu, il a payé un séjour de 5 jours à l'hôtel, mais il n'y a aucun service de facturé après les 2 premiers jours. En quoi est-ce étrange? Maman, pas de petit déjeuner, ni de coup de téléphone. Il a dû s'absenter quelques jours. Il faut qu'on vérifie les factures de ces chambres d'hôtel où aucun service n'est facturé après 1 ou 2 jours, et particulièrement celle de Californie. Je ne suis plus en état de vérifier quoi que ce soit. Je vais me coucher. Oui, entendu. Je ne vais pas tarder. D'accord. Non, Collins. C'est génial, merci. J'ai du nouveau, écoute. Tu te rappelles qu'il avait noté ses 200 000 dollars dans son cahier? J'ai retrouvé le nom de Red Sky Leathergoods là-dedans. Chaque fois que papa allait en Californie, il y restait 1 semaine et aucune dépense ne figurait sur ses notes d'hôtel après 2 jours. J'ai fait une recherche sur Internet et j'ai trouvé Red Sky Leathergoods en Arizona. C'est à 40 minutes à peine de vol de Los Angeles. J'ai appelé le magasin. Ils ignorent qui a appelé l'autre nuit et a laissé ce message, mais la jeune femme se souvient du nom de papa. Je prends l'avion aujourd'hui. Non, chérie. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Écoute, j'aimerais moi aussi avoir la réponse à ces questions, mais je crains que tu ne sois déçue une fois sur place. Maman, il faut que j'y aille. Je veux découvrir la vérité.
J'aurais préféré t'accompagner. Si mon père est toujours vivant, je préfère le voir seul. Quand est-ce que tu reviens? Ça va dépendre de ce que je trouverai en Californie. Patricia, est-ce que tu as pensé à ce que tu pourras trouver en arrivant? Tu parles d'une autre femme. Crois-moi, je ne pense qu'à ça. J'ai réalisé aussi que si c'était le cas, je serais également obligée de lui apprendre que sa fille, Annie, est décédée. Bonjour, je peux vous aider? Je l'espère, oui. Je suis de passage pour quelques heures en ville et j'aimerais retrouver quelqu'un de ma famille. Son nom n'est pas dans l'annuaire, mais je sais qu'il est client ici et vous avez peut-être son adresse et son numéro de téléphone. D'accord, donnez-moi le nom de la personne et je vais vérifier notre listing. Oh, c'est vraiment gentil. Il s'appelle Collins. Burton Collins? Oh. Oui, c'est ça. Oui, nous avons une adresse et un numéro de téléphone. Il faut que j'appelle Madame Collins avant pour m'assurer qu'elle n'y voit pas d'inconvénient. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Bonjour, Madame Collins. Ici Red Sky Laser Goods. J'ai ici une personne qui aimerait vous rencontrer. Vous vous appelez? Patricia. Patricia Collins. Elle s'appelle Patricia Collins. C'est entendu, Madame Collins. Je le fais. Au revoir. Madame Collins aimerait que vous passiez la voir. Elle travaille à 10 minutes du magasin. D'accord, merci. J'arrive. Oh mon Dieu. Ah, excusez-moi, entrez, mademoiselle. Faites comme chez vous. Je savais que vous ressembliez à Annie, mais... Tout Jésus, je ne savais pas que la ressemblance était aussi frappante. Je m'appelle Frances Grolier. Bonjour. Si j'ai bien entendu, la vendeuse de chez Red Sky vous a appelé Madame Collins. Mm-hmm. C'est un cadeau de votre père. Pour sauver les apparences. Entrez donc dans mon atelier, par ici. Excusez le chantier, mais je travaille sur un nouveau projet. Comment avez-vous fait pour me trouver? Grâce au message que vous aviez laissé sur le répondeur de mon père. Ah! Vous avez de ses nouvelles? Que voulez-vous dire par avoir de ses nouvelles? Vous voulez insinuer qu'il est toujours en vie? Ce que je veux dire, c'est que je n'ai aucune nouvelle depuis qu'il est parti d'ici. Avez-vous vu ma petite Annie? Oui, je l'ai vue. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Elle est blessée? Elle était en route pour venir chez moi. Elle a été attaquée. Attaquée? Elle a été assassinée. Non! Non! Mais comment? On l'a retrouvée poignardée et actuellement la police ignore qui a tué votre fille. Et où est-elle? Sur la côte est, près de chez nous. Je sais que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais là c'est pas possible, je ne peux pas. Oui, je comprends. Je suis descendue à l'hôtel Blue Horizon. Il vous suffit de m'appeler. Mon bébé.
clinique Good Hope Fertility, chère Patricia, voici les noms que je vous ai promis. Bonjour. Bonjour. Je vous ai appelé pour réserver une semaine en juin, vous vous souvenez? Oh, vous êtes sûrement Monsieur Martin. Mais... appelez-moi Bobby. Combien de personnes du groupe montent à cheval? Oh, la plupart d'entre nous. Vous vous occupez seule de ce ranch? Oh non. Non, ma fille Patricia est là pour m'aider. Alors, Blue? Je suppose qu'elle est bonne cavalière? Oh oui, il faut la voir. C'est une cavalière émérite. Elle passe plus d'heures en selle qu'au bureau. Tiens, voilà. On dirait que les chevaux sentent qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Allez, Blue, mange. C'est pour toi. Ça, c'est très bien. Vous avez d'autres questions, Monsieur Martin? Oh, excusez-moi, Bobby. Merci de me recevoir. Je peux imaginer à quel point vous devez souffrir. J'espère qu'on ne se reverra plus après cette rencontre. Ce n'est pas à cause de vous. C'est parce que vous... C'est vraiment très difficile. Mais... votre mère et vous avez droit à une explication. J'ai rencontré votre père il y a 27 ans. Au début, ce n'était qu'un jeu. À cette époque, il était déjà marié depuis 3 ans. Je savais qu'il était marié et d'ailleurs, votre père m'a montré votre photo ainsi que celle de votre mère. Il n'a jamais essayé de mentir. C'est assez difficile à croire. Écoutez... je n'ai aucune explication en ce qui concerne le comportement de Burton. Peut-être qu'il voulait avoir un point de chute au cas où ça tournerait mal chez lui. Ah. Si vous saviez comme je l'ai aimé. Je ne voulais pas des responsabilités d'un mariage, alors... notre relation fonctionnait parfaitement bien et... je ne demandais rien. Vous avez eu Annie sans le demander? On peut dire ça. Je vous assure que notre petite Annie est arrivée par hasard. Nous disions qu'on était mariés pour plus de facilité. Et lui, il voulait... oui, il voulait vraiment être un bon père pour Annie comme pour vous. Parfois, il pensait qu'il ne vous voyait pas grandir toutes les deux, qu'il vous délaissait. En grandissant, elle a commencé à poser des questions. Elle avait toujours sur elle ce papier avec votre nom et votre adresse récupéré au bureau de Burton. Elle tenait absolument à vous rencontrer.
C'est la dernière fois que je l'ai vu. Tenez, ceci vous revient. $200,000. Il a remis ce chèque à Annie. Vous étiez censé hériter du ranch, voyez-vous. Et Burton a cru que c'était honnête vis-à-vis d'elle. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit à vous maintenant. Je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, il était très en colère parce qu'il avait découvert qu'une personne qu'il avait employée avait fait quelque chose qui l'horrifiait. Quoi ? Qui a fait quoi ? J'en sais rien. J'en sais rien, sauf que dans une clinique avec laquelle votre père travaillait, il y a eu... il y a eu une malversation, mais je ne me souviens pas du nom de la personne, mais votre père était scandalisé. Est-ce que vous croyez qu'il aurait été capable de partir comme ça ? Oui. Je le crois capable de commencer une nouvelle vie sans qu'il nous en dise quoi que ce soit. Il va me falloir un peu de temps pour admettre tout ça. Nous en reparlerons demain, d'accord ? Comme tu voudras. Oh, Patricia, hein? J'ai oublié de te dire. La clinique Good Hope Fertility t'a faxé une liste de noms ce matin. Est-ce qu'il y a un autre secret dont je ne suis pas au courant? Non. Allez, essaie de dormir. Oh, Seigneur. Je crois qu'un verre te ferait du bien. Oui, c'est une bonne idée, je te remercie. Que dit ta mère de tout ça? J'ai vraiment l'impression qu'elle le prend bien, mais ça l'a sérieusement secouée. Elle vient d'apprendre que son mari avait une double vie et un enfant, je la comprends. Elle souffre de cette liaison. Mais s'il est toujours en vie comme Frances le croit, alors il nous a abandonnés à notre sort. Je suis sûre que jamais il n'aurait fait ça. Continue de croire qu'il ne vous a pas laissé tomber. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voudrais pas faire de bêtises cette fois. Et je lui ai demandé de rester. Bonjour, Catherine. Bonjour, Mac. Je vais vous préparer du café. J'y vais. Lieutenant Story, entrez. Vous êtes matinale. Nous avons retrouvé la voiture de votre père près de l'appartement d'Hélène Petrovic. Dans la boîte à gants, il y avait l'arme du crime. Vous n'allez pas croire sérieusement que Burton Collins a tué cette femme et qu'il a laissé une preuve aussi évidente à quelques mètres à peine pour que vous la trouviez. Vous suggérez qu'il serait innocent parce que l'arme était dans la voiture? Oui, c'est exact. Burton Collins est loin d'être idiot. Et ce n'est pas un assassin. Apparemment, il est toujours en vie. Elle est allée se recoucher.
Mademoiselle Collins, je sais que vous avez du mal à le croire, mais sa voiture près de l'appartement est pour nous un indice très sérieux. Et il s'agit bien de la même voiture qui a emprunté le pont. Savez-vous si votre père avait un revolver ? Oui, il en avait un. Il avait un permis de port d'armes, lieutenant. Il l'avait depuis 10 ans environ, après avoir été victime d'un cambriolage. Et en général, il le mettait dans la boîte à gants de sa voiture. Est-ce qu'il vous a contacté ? Mon père est mort, lieutenant. Pourquoi vous ne passez pas plus de temps à rechercher le petit ami d'Hélène Petrovic ? Tenez, voici une liste de noms que vous devriez examiner attentivement. Le docteur Williams me l'a envoyé hier matin, et la plupart de ces gens la connaissaient assez pour la former en embryologie. Le nom de Williams n'est pas sur la liste. Parce qu'il la connaissait à peine. Il travaillait à l'hôpital Valley Memorial durant les 3 années où Madame Petrovic était réceptionniste. 3 ans avant de rejoindre la clinique Manning. Qui vous a dit ça ? C'est lui. Je vois que vous êtes surprise d'apprendre que je mène une vraie enquête. Je vais faire une copie de ce document et je vous le rends. Appelez-moi au cas où votre père se manifesterait. Mais pourquoi le docteur Williams t'aurait-il menti ? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Philippe Carter. Philippe, c'est Patricia. Comment ça se passe chez vous ? Pas très bien. La première plainte a été déposée. Uh-huh. Un couple nous a payé pour stocker 10 embryons. Nous en avons plus que 7 au laboratoire. Philippe, vous croyez qu'elle a revendu ses embryons ? Ouais, est-ce qu'il existe un marché parallèle pour la vente d'embryons ? Oui, peut-être. Peut-être que c'est possible. Pourquoi cette question ? Je me rends chez le docteur Williams à New Hope. Et je suis persuadée que c'est lui qui a formé Hélène Petrovic à l'embryologie. Je suis sûre qu'il me cache quelque chose. Possible qu'il était de mèche avec elle. Soyez prudent, Patricia. Parce que si vous avez vu juste et que c'est bien lui, alors vous prenez un énorme risque en allant le voir. Hélène Petrovic en est morte. Je le sais, je vous rappellerai tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous la connaissiez à peine. Oui, c'est exact, en effet. Apparemment, vous avez négligé de me dire que vous aviez travaillé avec elle pendant 3 ans au Valley Memorial. Je suppose que vous avez vu le lieutenant Story. Pourquoi avez-vous menti ? Je ne vous ai jamais menti, mademoiselle. Le lieutenant Story m'a rappelé qu'elle avait travaillé là-bas quand j'y étais. Vous voulez dire que vous ne l'avez jamais vue durant ces 3 ans ? Je peux très bien l'avoir vue sans pour autant la connaître. Elle était réceptionniste. Je suis médecin. Nous ne fréquentons pas les gens du même monde. Si vous voulez bien m'excuser maintenant, j'ai du travail. Patricia est repassée ici. Et cette fois, je crois qu'elle est sur le point de tout découvrir. Comment osez-vous insinuer ça ? Non, écoutez-moi bien. Je n'ai pas l'intention d'aller en tôle où elle disparaît. Où je parle et je dis toute la vérité. Vous devez contacter une entreprise de pompes funèbres avant votre retour. Madame Grolier, j'aimerais vous poser quelques questions. Je refuse de parler de ma vie privée avec Burton Collins. Je respecterai ce choix. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Il y a 9 mois. Un jour avant que le pont s'effondre. Vous a-t-il jamais parlé d'une femme nommée Hélène Petrovic durant ces années ? Non. Pourquoi vous me demandez ça ? Elle a été assassinée. Et Burton Collins est notre suspect. Ah, pff. Oh, oh. Ça, c'est impossible. Burton ne ferait pas de mal à une mouche. Vous croyez qu'il est possible que Burton ait choisi de disparaître et de quitter sa famille pour aller refaire sa vie ailleurs ? Je crois que oui.
Non, pas moi. Vous ne pouvez pas me faire ça. À mon avis, c'est Williams qui lui a appris le métier. Tout le monde s'accorde pour dire qu'Hélène Petrovic était efficace. Et là, on l'accuse d'avoir perdu des embryons. Réfléchis, ça ne tient pas. Je crois qu'elle a volé ses embryons. Et que Williams était de mèche avec elle. Si c'est vrai, c'est une sacrée accusation. Pourquoi aurait-il menti sinon? Ils auraient travaillé dans le même hôpital pendant 3 ans sans se connaître. Non, Mac, Williams a menti, j'en suis persuadée. Patricia, tu peux venir un instant? Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est elle? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La même chose que ce que j'aurais fait. Venir voir où nous avons vécu heureux. Je vais lui dire d'entrer. Non. Je vais le faire. Allô? Patricia, c'est Philippe. Je viens de recevoir un appel de votre père. Quoi? Il se demande s'il ne devrait pas se rendre maintenant. Il veut nous voir tous les deux. Et il avait l'air désespéré au téléphone. Personne ne doit être au courant. Où est-il? Je devrais suivre Philippe qui me conduira à sa cachette, mais pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Il doit sûrement avoir ses raisons. Il n'a pas confiance en moi. Seigneur, pourvu qu'il ne soit pas impliqué dans ce meurtre. Laisse-moi venir avec toi. Je resterai dans la voiture, je te le promets. Non, il a dit juste moi. J'ai pas voulu le dire à maman, parce que si elle avait su, elle aurait insisté pour venir. Je veux que tu restes avec elle. Mais surtout, ne lui dis rien. J'ai mon portable sur moi en cas de problème. Chérie, je t'aime. Quoi qu'il puisse arriver, n'oublie jamais ça. Je t'aime aussi, Mac. Vous êtes pile à l'heure. C'est environ 3 km d'ici. Suivez-moi. Allô? Le lieutenant Story vient d'appeler, Patricia. Le docteur Williams a été retrouvé mort dans le parking de la clinique. Oh mon Dieu. Story est en route pour venir te voir. Je crois qu'il est plus prudent de laisser la police régler tout ça. Tu ne lui as pas dit où j'allais, j'espère? Non, non, bien sûr que non. Écoute, on vient d'arriver. Papa s'est caché dans la ferme de Philippe. Il m'y a emmené le jour où il l'a engagé. D'accord. Je vais faire patienter le lieutenant. Merci. Venez! Vous n'allez jamais me croire, mais on a tué le docteur Williams. J'espère que mon père n'est pas impliqué là-dedans. Je suis persuadée que ce n'est pas lui. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? Et où est mon père? Je l'ai tué, le soir où le pont s'est effondré. Comment avez-vous osé faire ça? Vous étiez amis. Il ne m'a pas laissé le choix. Il a découvert que j'avais fait embaucher Hélène Petrovic avec des diplômes soigneusement falsifiés. Alors c'était vous? Votre père avait l'habitude de me laisser une lettre signée de sa main quand il partait en voyage.
Une lettre en blanc qui a suffi de convaincre Manning qu'il n'aurait jamais pu douter d'authenticité du document. Il l'a fait embaucher et j'ai empoché la commission. Ce n'était qu'une affaire parmi tant d'autres. Il a voulu me virer et déposer une plainte. Il hurlait au téléphone quand il a soudain vu le pont s'écrouler avant de s'y engager. L'heure d'appel m'a donné le plus parfait des alibis. Vous avez tué Petrovic. Et Annie, c'était vous aussi. Petrovic, oui. En voulant s'en aller, elle posait un problème sérieux. Mais je n'ai pas tué Annie. Je savais depuis longtemps pour votre père et votre demi-sœur qui vivaient sur la côte ouest. D'ailleurs, il suffisait de voir Annie pour comprendre immédiatement qu'elle était sa fille. Et j'ai pensé que le moment était venu pour le ressusciter. Alors vous avez envoyé ces fleurs à ma mère sans penser une seule seconde qu'elle pourrait en souffrir. Je me rattraperai avec elle. Quand vous aurez disparu, il lui faudra une personne qui pourra lui faire oublier toute cette peine. Comment osez-vous nous faire ça? Vous étiez comme un membre de la famille. On n'a pas du gain. Williams et moi avions trouvé la façon de remplir très vite nos poches et Petrovic touchait sa commission au passage. En volant des embryons, j'en étais certaine. Vous êtes maligne, tout comme votre père. Vendre des embryons volés n'était qu'une partie de notre jolie nébuleuse. Je ne vais pas vous expliquer ici toute l'opération en détail. Cela n'a plus d'importance pour vous. Maintenant, nous allons sortir et dire bonjour à votre papa. Demi-tour. Allez, en route. Allez. Le médium avait raison, Patricia. Votre père se trouve bien sous l'eau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sa dépouille est au fond de ce puits. Il est là depuis 9 mois. Non. Allons, Patricia. Vous ne trouverez plus grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans, mais c'est suffisant pour cacher un corps. Il était mort quand je l'ai poussé dans le puits. Si ça peut vous consoler. Je vous trouvais très gentille. Je regrette qu'on en soit arrivé là, mais tout comme pour votre père, le choix est simple. C'est manger ou être mangé. Non, Philippe, pitié. Disons-nous adieu, Patricia. Vous avez sauvé la vie. On peut se servir d'un couteau pour sauver quelqu'un. N'est-ce pas, Patricia? Oui, c'est vrai. Je ne veux pas faire de mal. Annie est morte par erreur. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne voulez pas que je vous fasse de mal? Jamais je ne vous ferai de mal, Patricia. Je ne voulais pas faire de mal à Annie cette nuit-là. J'ai même été gentil avec elle. Elle est morte par erreur. J'ai cru que c'était vous. Annie a hurlé et ça m'a rendu fou. Et quand je deviens fou, je fais mal. Je sais que vous ne me ferez aucun mal. C'est que le sol est très froid. Oh, je suis désolé. J'aurais dû le savoir. Laissez-moi vous porter. Merci. Si vous saviez depuis quand j'attends d'être seule avec vous. J'ai rêvé de cet instant. Aujourd'hui, je vous ai sauvé la vie, Patricia.
Je suis un héros. Mais j'ai pas le droit d'avoir une arme sur moi. Vous voyez ? Ce poignard est une arme. S'ils me prennent avec ça, ils me renverront à l'hôpital. Je déteste cet endroit. Non, je vais les en empêcher. Je dirai à tout le monde que vous m'avez sauvé. Vous m'appartenez maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours comme ça. Si on sauve la vie d'une personne, après elle est à vous. Vous êtes très belle. Vous ne voulez pas que je vous touche? Non, au contraire, je serai heureuse. Seulement, il faut que j'aille à l'hôpital. Non, c'est inutile. Nous allons rester ici. C'est mignon ici. Je vous jure que je vous soignerai, Patricia, c'est promis. Bernie, vous devriez filmer nos premiers moments ensemble, en tant que couple. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment chouette. Je vais le faire. Je vous aime depuis si longtemps. Je vais nous filmer en train de faire l'amour. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avec les autres. Elles ne comprenaient pas que mon amour était si fort. Vous, vous comprenez tout ça, Patricia? Vous êtes la seule. Jamais de moi, Patricia. Jamais. Non. Je vous ai fait confiance. Je vous aimais. Vous êtes une putain. Vous êtes comme les autres. Pitié, Bernie. Non. Pitié. Pitié. Non. Ça aurait dû se passer autrement. Je ne peux plus vous faire confiance. C'est la police. Si vous ne me faites pas de mal, ils ne vous feront rien. La police? Non! Police! Lâchez ce poignard! Tout de suite! C'est fini, je ne vous aime plus. Vous êtes touché? Une balle dans l'épaule. J'ai appelé une ambulance, elle ne devrait pas tarder. Il est toujours en vie. Vous le connaissez? Oui, il s'appelle Bernie, il a tué Annie. Philippe a tué Petrovic et mon père. Oui, nous sommes au courant, ma chérie. Assieds-toi, viens. Ça va bien se passer. Ça y est, c'est fini maintenant. Mac, comment as-tu su que c'était Philippe? Williams a laissé une lettre confessant ses méfaits. Philippe l'a menacé. Et Williams a eu peur d'être mêlé au meurtre de Petrovic. Alors il a voulu déposer une preuve contre Philippe. On a retrouvé la lettre sur lui. Et le lieutenant a téléphoné. Portez-le au laboratoire. Surveillez-le. S'il essaie de bouger, menottez-le. Je vais aller voir le corps de Carter. Appelez une autre ambulance. C'est assez étrange que l'homme qui a tenté de me tuer est celui qui m'a sauvé la vie. Une chance pour nous que ta mère ait pu se rappeler où était cette ferme. J'ai failli te perdre. C'est fini. Mmh.
Ils ne vendaient pas que des embryons, Mac. Ils vendaient des bébés. Quoi ? Petrovic volait un certain nombre d'embryons qu'elle revendait à la clinique. Il les implantait par la suite sur des mères porteuses, comme Stéphanie. Pour devenir mère porteuse, elle touchait 10 000 dollars, plus un visa de travail. En 6 ans, ils ont vendu environ 200 bébés. C'est vraiment incroyable. Quand mon père a appris que Petrovic n'avait aucune qualification, il a appelé Philippe. Avant que le pont s'effondre. Oui. Philippe a eu peur de finir sa vie en prison. Et il a tué ton père et laissé l'opération se poursuivre. Et quand Petrovic m'a vu chez Manning, elle a cru que je savais tout et elle a décidé de quitter la clinique. Le déjeuner est servi. Entendu, maman. On arrive dans 1 minute. Bien. On dirait que cette fois, ta mère est soulagée. Oui. Elle aura le certificat de décès et la compagnie d'assurance va enfin nous payer ce qu'elle nous doit. Il semble que nous garderons le ranch. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? J'avais vraiment l'opportunité de devenir enfin ton héros en sauvant ce ranch. Je payais les impôts et j'y gagnais ton cœur. Ça, c'est vraiment un peu trop facile pour moi. Ta maman nous attend. Oh, oups. Ne vous en faites pas, Mac. Je vous garde votre soupe au chou. Tu as entendu ça? Elle va te garder ta soupe au chou.